والصلاة والسلام على رسول الله. Chers amis, collègues, nous allons continuer les travaux de notre colloque. Nous allons entamer le troisième thème du colloque, prise de décision et situation motrice. On regrette l'absence de notre ami M. Chilipi pour des raisons personnelles. Et on passe à la deuxième communication. Et avant de passer au sujet de la deuxième communication, je tiens à remercier mes chers collègues ici présents parmi nous. Docteur Sedet, qui est maître de conférence à l'ESDS et membre du laboratoire des sciences sociales appliquées au sport. Professeur Pascal Borg, qui est agrégé en éducation physique et docteur en sociologie, maître de conférence à l'Université de Paris. Il est pratiquement au laboratoire technique du sport à Paris 5. Les mauvaises habitudes. Et après, professeur Fosseva de l'Université de Vitoria, et avec le collègue avec qui on travaille sur le jeu traditionnel de l'âge. C'est un plaisir de se réunir ensemble. Et je donne la parole directement au docteur Sedet. À vous la parole. Merci, professeur. Je dis bonjour à Moutoula et je dis Dieu merci pour le professeur Pierre Arleva pour son établissement. Je suis en train de continuer toujours dans la bonne direction de la santé. Je vais essayer par le thème que je vais présenter d'apporter un aspect pratique d'une vie pratique, vraie, réelle sur le terrain que j'ai personnellement passé dans des conditions difficiles. C'était une période où le sport de performance 90-92 commençait à se dissiper, il n'y avait plus de performance. L'État se démissionnait de la prise en charge du sport et ça commençait à avoir l'aspect privatisation, club, association privée. Donc c'était un contexte vraiment difficile où la dichotomie entre l'État qui subventionne et l'État qui se retire de cette subvention par rapport aux athlètes qui percevaient des primes, des indemnités, des salaires, et il y avait absence. Donc dans ce contexte-là, il était difficile de travailler. J'ai essayé à travers cela de présenter mon comportement dans une association que tout le monde connaît, c'est l'USMA actuellement, l'USCA dans le temps. C'était K, c'était Karakim, c'était Sonel Gaz. Sonel Gaz se retire, l'USMA prend, donc il y avait un déficit quant au budget, quant à l'argent, quant au paiement de tout ce qui était fait auparavant. Donc dans cette situation, je vais essayer de vous présenter ce que j'ai essayé de faire pour pouvoir pallier au déficit et au changement. Le thème s'intitule « Gestion d'une situation de duel et prise de décision dans un projet d'action motrice ». Le judo, comme c'est ma spécialité,
Le judo dans sa pratique effective implique une activité physique de combat orientée vers la projection sur le dos, immobilisation au sol, strangulation ou clé de bras. Dans un espace circonscrit et un temps limité. Il s'agit de quoi ? Réussir à attaquer, maîtriser la réaction émotionnelle et accepter le contact avec l'autre pour sentir l'action et la réaction. Développer un projet d'action dans un temps bref. Donc, je reviens à ce que j'avais dit au départ, que j'étais désigné en tant que chef entraîneur, entraîneur en chef, section judo, parce que l'USCA, l'USMA, c'était l'association, avait plusieurs sections, basket, lol, football. Donc j'étais responsable technique de la section judo durant cette période-là. La section judo, chez les seniors étaient classés comme règle générale deuxième, troisième place sur le plan national. Pourquoi ? Parce que le Mouloudia, le MPA, le MCA avaient le monopole. Pourquoi ? Parce que les éléments qui composaient le Mouloudia étaient membres de l'équipe nationale. Donc ils avaient plus de confrontations à l'extérieur à travers les tournois, les stages à l'extérieur. Donc ils ont emmagasiné une expérience plus importante par rapport à ceux de l'USMA. Donc le classement deuxième, troisième position, c'était de 78-79, la période du début de la performance. À 91-92, c'était le Mouloudia qui primait sur la majorité des titres en individuel, par équipe. Au départ, quand j'avais pris l'équipe, j'ai observé les athlètes. Je dirais qu'il y avait un petit cafouillage au niveau du groupe de travail chez les seniors, où chacun s'entraînait comme il voulait, etc., etc. Donc, j'ai observé le tout pendant ma première semaine. Et pendant le... Pourquoi ? Parce que moi, je les ai pris au mois d'octobre. Donc, ils avaient commencé mi-août comme ça. Donc, ils étaient déjà engagés dans l'entraînement et la préparation. Donc, j'ai laissé comme ils avaient l'habitude de le faire. Et qu'est-ce qui s'était passé ? Je voyais comment ils s'entraînaient. Et la remarque la plus importante que j'ai vue, c'est que en position debout, kumikata debout, combat debout, les athlètes ne pouvaient pas entrer une technique et marquer un nippon direct. Il était très difficile. Et particulièrement avec les athlètes qu'ils connaissaient. Le questionnement, c'est quoi devant cette situation ? Il faut savoir analyser la situation. Comprendre le comportement des athlètes. Préciser ce qu'il faut faire. Cerner le processus, les processus mis en œuvre pour utiliser au mieux les ressources. Les ressources que l'on a sur le plan équipement ou potentiel humain. Préciser les problèmes rencontrés. Pourquoi cette situation ? D'après, je l'ai pris du professeur Barbera, que étudier le processus d'accompagnement des conduites motrices d'un ou de plusieurs sujets agissant dans une situation motrice déterminée. C'est-à-dire que c'est le duel.
Les réponses à ces interrogations doivent conduire à transformer les conduites motrices. C'est-à-dire, si on s'interroge, c'est pour trouver des réponses à ces situations. Je rappelle la situation, c'est que les athlètes ne pouvaient pas exécuter une technique et marquer un nippon. Il y avait un blocage entre exécuter et... Les transformer impose de s'interroger sur les obstacles à ces transformations. Pourquoi ? Parce que mon objectif, c'était de transformer ce comportement, le rendre plus effectif. L'exécution porte résultat. Afin de choisir les leviers pertinents qui permettent de construire les situations adaptées aux sujets concernés. Les sujets concernés, compétiteurs. Nous savons que pendant la conduite d'un combat, le judoka doit utiliser la technique apprise, répétée, corrigée, élimine les fautes et les mouvements parasites qui empêchent et font barrière pour exécuter sa technique spéciale, seule clé pour gagner le combat. Clé, c'est la solution. Je ne vais pas intégrer cette discipline, mais je dirais que la biomécanique est la discipline par excellence pour aider l'entraîneur à déceler les détails que l'œil nu ne peut pas détecter. Pour ce faire, le minimum était une caméra accompagnée d'un logiciel, bien sûr, qui peut produire 24, 48, 72 images, etc. La décomposition de l'exécution de la technique en éléments de plus en plus petits, et c'est là où l'on voit les détails de des angles, des leviers, de la position. Mais cet équipement, je ne l'avais pas, donc je ne pouvais pas en disposer. La seule chose dont je disposais, c'était mes yeux, et à ce moment-là, je voyais 10 sur 10. La vue était... En judo, le processus d'apprentissage, le processus de l'apprentissage à l'automatisation des gestes pour arriver au schéma tactique passe obligatoirement par la répétition. On distingue deux moyens en judo et même dans toutes les disciplines. Chez nous, Uchikomi, consiste à décomposer la technique d'abord, décomposer la technique en éléments et prendre un élément et répéter et à chaque fois trouver la faute, corriger, trouver la faute et corriger. Et par la suite, lier deux éléments, lier trois éléments et à chaque fois, les jonctions, qu'est-ce qui fait que ça peut bloquer au niveau de la coordination, de la synchronisation entre l'élément 1 et 2 et 3 de la technique. Je dis plusieurs fois, c'est des dizaines de répétitions. Nagikomi, c'est projeter, faire tomber, faire chuter son partenaire. Et ça, quand on répète, on fait la projection. Et on voit de combien, comme on avait parlé hier du transfert positif, de cette correction-là, est-ce qu'elle passe ou elle ne passe pas au niveau de l'exécution de la technique dans sa globalité. Pour avoir une idée précise sur les capacités techniques et physiques de mon équipe, il fallait réaliser des séances d'études et d'entraînement. La différence entre séances d'études et d'entraînement, séances d'études, il y a une étude sur le principe, sur la principale action, sur la principale, qui est la technique. La technique, c'est
C'est l'élément clé, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est sans la technique, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de marquer l'adversaire. Donc cette technique-là, pour qu'elle puisse permettre à la tête de gagner, il faudrait qu'elle soit, entre guillemets, parfaite, idéale, meilleure. Donc, il fallait pour moi avoir avec précision ce qui se passe sur le plan physique et technique. Ce processus est une situation présentant l'incertitude où je devais apprécier, référer les informations et les possibilités des judokas en se projetant dans l'action future pour comprendre ce qu'il était possible de faire et décider. Le constat de mon observation relevait que le judoka exécutait les répétitions avec une grande vitesse. Entrée-sortie. Il était très difficile de voir à l'œil nu l'effort et les insuffisances de l'exécution, parce que c'était exécuté rapidement. En plus de cela, le partenaire ne résistait pas. Le mouvement d'inertie couvrait l'absence de déséquilibre. Le fait d'entrer et de sortir, l'adversaire, le partenaire ne résistait pas. Donc le mouvement d'inertie aller-retour, donc on ne voyait pas s'il y avait insuffisance ou un manque dans l'exécution de tirage et de positionnement par rapport à UK, qui c'est le partenaire. Donc, les informations prises sont une sélection au regard du sujet et du contexte. De ces observations, il y a une problématique que j'ai présentée. Il faut savoir que ce genre de travail, ce n'était pas le fruit d'un jour de travail. C'est le fruit de tout un processus, de 78 à de la naissance de la performance jusqu'à... Donc il était très difficile de changer le mental des athlètes à partir de moi-je, bien que les athlètes savaient que j'étais international et que j'avais des résultats sur le plan international. Je suis le premier à avoir obtenu médaille d'or et médaille de bronze aux Jeux méditerranéens de 87. Sur le plan international, c'était la première fois en Algérie. Il y a des classements, mais ceci ne me donnait pas carte blanche pour pouvoir dire et les athlètes exécutent. Trouver une solution pour changer un comportement acquis depuis plusieurs années de pratique. Changer le contenu des séances d'entraînement, orienté, stéréotypé, du début de saison jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on a le même modèle d'entraînement quand la tête rentre la première séance de la semaine, il sait ce qu'il a à faire, le deuxième, le troisième. C'est un cycle infernal. Et particulièrement dans ces séances, la chose la plus importante, c'était le combat, le randori. Le combat prenait une partie importante de la séance, je dirais même jusqu'à 70%. Donc, s'il y a préparation, si on exécute des techniques, les répétitions des maillons, des éléments de la technique ou les projections, c'était une forme d'échauffement pour le randori. Ce n'était pas un travail technique. Docteur Sadat, je suis
dans l'obligation de vous interrompre parce qu'il vous reste pratiquement 2 minutes pour présenter une conclusion et pour dire en général de quoi s'agit-il comme résultat. Je suis un peu parce que il y a beaucoup de choses à dire et je crois que c'est. En 20 minutes, oui. Non. Au résumé, en 20 minutes. Je peux. Non, ça y est, tu. Je vais présenter 2 choses. Ça, c'est les moyens utilisés dans le cadre de mon travail ou l'exercice utilisé était de l'exercice général à l'exercice compétitif et la complexification de ces exercices va en progression comme c'est stipulé dans ce tableau, que les exercices devenaient plus compétitifs, se rapprochaient de la technique de combat au fur et à mesure que l'exercice devenait complexe. Il y avait 2 objectifs, un intermédiaire et autre principal. L'intermédiaire, c'était le championnat d'Algérie par équipe au mois de décembre où pour la première fois jusqu'à était classé champion d'Algérie dans son histoire et où objectif championnat national individuel les 3 cas d'études présentés étaient classés champion d'Algérie dans leur catégorie, moins de 78, moins de 86, plus 100. Et il y avait la compétition de semi-open. Champion et 3e place. Croissance de sur le plan technique et physique passer de 1 à octobre jusqu'à 8 fois au mois d'avril parce que la compétition, le programme se terminait questions, comme ça, monsieur le Rat, s'il y a des questions, ce sera... En conclusion, je dirais que la réussite est un fruit amer pendant l'effort et un fruit exquis au final. Et quelle que soit la difficulté, les barrières ou les coups bas, il faut résister, avoir des nerfs d'acier et surtout croire en ses possibilités. Donc, toujours dans le cadre de la décision. La planification, le programme et le contenu étaient à chaque fois améliorés, plus la participation consciente des athlètes était totale, plus la courbe de croissance augmentait, montait.
sans pour autant avoir de blessures, ni de portée préjudice à la santé, ni traumatisme chez les athlètes, qui risquent de stopper le travail et la progression. Merci pour votre attention.